إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur unique de vérité, celui qui délia le décret du roulement de sa univers là, celui qui délia le changement devant la nuit et devant les jours, qui dans une façon ou d'une autre fait la répétition de bas événement dans l'existence de Bantimoun. Alhamdulillah, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans en général, Bantin al-Iman, nous actuellement dans le 11e mois du calendrier islamique, Dhulqa'da, et bientôt nous pour accueillir le dernier mois du calendrier islamique, le mois de Dhulhijja. Le 12e mois du calendrier islamique, un mois pareil comme beaucoup dans les autres mois, qui peut même dans la vie, ben croyant, ben vertu, ben mérite, qui peut même bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala à travers un rite qui nous pourrait être appelé à pratiquer dans sa voie-là et qui se récompense pour énorme dans le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Dhulhijja, qui fait il y a longtemps qu'un musulman y était resté avec la lune, la visibilité de la lune de Dhulhijja, c'est parce que le mois de Dhulhijja, ce 10 premiers jours, c'est un jour de grande valeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui trouve dans Abu Daoud, rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله، خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بين أكين بانجو pendant lequel الله سبحانه وتعالى les plie contents d'une bonne action de la part de ses serviteurs, les plie contents d'une bonne action qui s'abandonne là, c'est-à-dire
جسر يجوز الحجة بين أوكين جو pendant lesquels on applique autant de bonnes actions qui disent premier jour de l'Hijjah. Mais là, les Sahaba radiallahu anhum, je lui pose question, Ya Rasulallah, même djihad, même pas djihad dans le chemin d'Allah, est-ce qu'Allah compte en bonnes actions dans cette 10 jours-là, même plus que djihad dans le chemin d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une réponse. Même djihad, même pas djihad dans le chemin d'Allah, excepté si un djimon lui fait une sortie avec son écho et avec son richesse, il va le retourner avec une envie de puissance, c'est-à-dire une chahide dans le champ de bataille. Ce hadith là, mon frère et ma soeur, montrez-nous en général, voilà qui fait à nous intéresser nous avec la visibilité de la lune de l'Hijja. Afin qu'il nous capable profite, ça va le jour dans lequel Allah. Mais il n'y a aucun jour qui a la plus compte à une bonne action qui s'est dissoule. 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja. C'est-à-dire faire autant de bonnes actions qu'il nous capable. Faire autant de bonnes actions qu'il nous capable dans 10 premiers jours de Dhul-Hijja parce qu'il n'y a aucun jour pendant un jour de l'année qui Allah plus compte à une action comme il compte à une bonne action dans 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Alors, ce hadith là peut montrer nous, vertu, 10 premiers Dhul-Hijja, qui quantité, ça 10 jours là, c'est 10 jours de grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et chers sœurs, donc, nous surveillons la visibilité de la ligne Dhul-Hijja pour nous capables de faire ibadat dans ces 10 jours là, salat nafil, rosa nafil, lecture Coran, tasbih. Istighfar, sadaqa, mais dire une action qui nous capable de faire dans cette 10 jours-là, parce qu'il sait une action-là, les bien à même valeur, les bien à même considération, mais dire qu'il va les autres jours, pendant les autres jours de l'année. Les mentionner dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith d'Abu Daoud rapporté par un comme par madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'expédant de Rosa 9 premiers jours ذي الحجة. Qui fait 9 parce qu'il dit 10e jour c'est le jour de Eid et Eid al-Adha. Nous connaissons Rosa, ça joue là les papiers récits pour garder Rosa. Alors, un comme Ibn Madame du prophète صلى الله عليه وسلم, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم était habité garder Rosa. Mais dire pendant les 9 premiers jours du et mois de Dhul-Hijja. Parmi les petites choses qui, si un dimanche n'est pas capable même de garder 9 jours rosa pendant sa 9 premiers jours-là, mais minimum, ma frère et ma soeur, au moins qu'il garde rosa 9e Dhul-Hijja. 9e Dhul-Hijja, c'est le jour de Arafat. 9e Dhul-Hijja, c'est le jour de Arafat. Ça même jour plus important dans le Hajj, ça même jour plus important pour le Hajj, c'est le jour de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit de questionner concernant Rosa Arafat, 9e de l'Hijja, il finit de répondre qui passe à un jour Rosa là. Allah efface nos péchés un an avant et un an après. Passe à un jour Rosa là, Allah efface nos péchés précédents. Un an précédent et un an à suivre et un an après. Comme mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rapporté par Abu Qatada radiallahu anhu, il dit وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرْفَ فَقَالَ يُكَفِّرُ اللَّهُ السَّنَةَ الْمَاضِيَ وَالْبَاقِيَةَ Abu Qatada radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit de questionner concernant Rosa Arafat et il fait une réponse, une expiation pour le péché, c'est-à-dire un lavement pour le péché de l'année passée et l'année qui peut venir, hadith dans Sahih Muslim. Chers frères et chers sœurs, comme dire, il y a aussi, pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja, pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja, il est recommandé qu'il nous vive ce jour-là avec takbir. Un de ma sunnah qui fait disparaître ou bien fait bien diminuer dans la vie de Bandimon, c'est takbir pendant sa 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja.
Mais il y a des recommandés, il y a une sunna qui, une fois qu'il arrive, dhul hijja fin parit, une fois qu'il arrive, dhul hijja fin visible, qui va le musulman, je te fais takbir à haute voix, qu'il y soit dans un masjid, qu'il y soit dans une lacasse, qu'il y soit dans un lieu de travail, qu'il y soit en chemin, vive sa 10 jours-là avec takbir, avec tahlil, avec tahlid, avec tasbih. Ça, c'est un point ibadah, ibadah spécifique qui mentionne, qui, dans sa 10 jours-là, veut dire prend depuis le premier. Au contraire, il y a un hadith qui fait mention, qui takbir, tahlil, tahlid et tasbih. Veut dire jusqu'à 13e Dhul Hijja, veut dire nous vivre avec takbir autant qu'il est capable dans sa 20 jours-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté dans Mustakhraj Abi Awana et aussi dans Mustad Ahmad, veut dire ma min ayyamin a'azamu 'inda Allah wala al-'amal fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد يعني أيام العشر. نبغت صلى الله عليه وسلم بديه بين أوكيك من شو كي بلي غران أبريد الله وكي بندن لكي بان أكشو بلس إميه الله بين أوكيك من شو كي بلي غران دان لغضاد الله وكي بان أكشو بلس إميه كي الله بلي كوتا بان أكشو دان سمان جولة الله سبحانه وتعالى كي سمان جولة في رفيا الجس بمي جو جمع ذو الحجة على ربطة صلى الله عليه وسلم جيه على فاندن سمان جولة فيه بكو تسبيح pendant sa manjoula, faire beaucoup de tasbih, faire beaucoup de tahlil, faire beaucoup de takbir et faire beaucoup de tahmid. Alors dans sa manjoula, faire beaucoup de takbir, takbir c'est quoi? Allahu Akbar. Faire beaucoup de tasbih, subhanallah. Faire beaucoup de tahlil, la ilaha illallah. Faire beaucoup de tahmid, alhamdulillah. Ou capable faire sa manjoula là, séparément. Ou répète plusieurs fois Allahu Akbar. On répète plusieurs fois Alhamdulillah, on répète plusieurs fois Subhanallah, on répète plusieurs fois La ilaha illallah. Comment on est capable de mélanger, on est capable de mettre dans une seule phrase et on répète plusieurs fois Subhanallah, Walhamdulillah, Wa La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Mais j'ai pendant le premier Dhul Hijjah jusqu'à 13e Dhul Hijjah. Jusqu'à 13e Dhul Hijjah, alors c'est au capable d'ordre ou la langue, tremper avec sa dhikr là. Mais bien, c'est au capable de faire sa dhikr là, autant qu'il est capable, ça c'est formé par le sunnah. Par le sunnah, mais bien, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est formé par l'ibadah qui recommandait, mais bien, dans sa dix premiers jours là. Et normalement, mes frères et mes sœurs, connaît-il les trois jours, tout de suite après le jour de Eid, 11, 12 et 13 Dhul Hijjah. 10e Dhul Hijjah, c'est Eid, Yawm al-Eid, Eid al-Adha. 11, 12 et 13, ça trois jours-là appelle ça Ayyam al-Tashriq. Ça trois jours-là appelle ça Ayyam al-Tashriq. Et ces derniers jours de Hajj. Hajj, en vérité, il y a 5 jours. Malgré qu'il y ait autour un Hajj, de t'en reste un mois. Mais Hajj lui-même, c'est une action qui fait dans 5 jours. À partir du 8e Dhul Hijjah. 8e Dhul Hijjah qui est connu comme Yawm al-Tarawiyah. Ben, Hajj rentre dans Mina à partir après Fajr ou bien Zohar. Quand le Boubizin passe la nuit dans Mina, Yawm al-Tarawiyah. Ensuite, lendemain matin, après le lever du soleil, je dirige vers Arafat. Yawm Arafat, 9e Dhul Hijjah. Je reste à Arafat jusqu'à Maghrib. Et avec le coucher du soleil, je dois briser à le coucher du soleil. Après coucher du soleil, je quitte Arafat, je t'allais vers Muzdalifa. Dans Muzdalifa, je dis à je disais pas salamique, je fais salat Maghrib et Isha. Je dis tous les deux ensemble dans une seule lair et je passe la nuit, je dormis dans Muzdalifa. Ce lendemain, je dis je pourrais tourner Mina. Lendemain, je pourrais tourner Mina, c'est Yawm al-Nahr. 10e jour de l'Hijjah, Yawm al-Nahr, alors je peux faire Tawaf Ifada, je peux faire Hajj, mais c'est ce qui nous connaît comme Qurbani, je peux raser la tête et je peux faire Safa Marwa, je peux faire Sa'i. Et ensuite, je dis à l'Allah, reste ça 3 nuits dans Mina. Ça 3 nuits là, elle la donne optionnelle
délai obligatoire, je t'oblige et passe des mitamina, ce qu'appelle Ayyam ou Tashrik 11, 12 et 13. Je t'oblige et reste dans Mina, veut dire deux lamites, veut dire lamite 11 et lamite 12. Quant à lamite 13, les optionnels, celui qui a envie de retourner, les retourner, celui qui a envie de rester, les rester. Donc Hajj, c'est prendre le 8 de l'Hijja jusqu'à le 13 de l'Hijja. Et le 13 de l'Hijja, 13e de l'Hijja, c'est ça même dernier jour, Ayyam ou Tashrik. Et ces trois jours-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous garde rosa dans ces trois jours-là. Comme il mentionné dans un hadith de Mustad Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Ayyam al-Tashriq, Ayyam akrin, wa shurbin, wa dhikrillahi azza wa jal. Les trois jours qui connus comme Ayyam al-Tashriq, 11, 12, 13 de l'Hijjah, c'est 20 jours manger et boire. C'est 20 jours manger et boire et faire dhikrullah. Ces 20 jours-là, nous pas garde rosa, mais seulement nous restons dans dhikrullah, tasbih, takbir, tahlil. Et Tahmid, ça veut dire ça va le jour-là, nous vivons dans l'ibadat d'Allah, dans la pensée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, dites comment, ben le sahaba, ridwanullahi alayhi ajma'in, dites comment je peux mettre en pratique, veut dire ça ibadat-là, nous redire encore une fois, aujourd'hui, par connaissance, pas pour l'ignorance ou bien pour la honte, qu'ils ont dit ou pour trouver, c'est une petite chose qui, c'est une sunna qui nous n'a pas trouvé. Veut dire takbir, ni dans la case, ni dans ma mosquée, ni dans le chemin, ni dans le travail. Nous pas mettre en pratique sa sunna là. Et pourtant, dit notre sahaba radiallahu anhum, apôtre Imam al-Bukhari rahimahullah, l'idir. Imam al-Bukhari rahimahullah, l'idir. Wa kana ibn Umar, wa Abu Huraira, radiallahu anhum, yakhrujani ila souq fi ayyam al-ashr, yukabbiran, wa yukabbiru al-nas bi takbirihima. Omar ibn al-Khattab, Ibn Omar radiallahu anhu et Abu Huraira radiallahu anhu. Je peux sortir, je peux aller vers bazar. Je peux aller vers bazar, lieu public. Je peux faire takbir à haute voix. Quand du monde tu peux dire je fais takbir, du monde tu peux faire takbir, tu peux être rappelé et je aussi tu peux faire takbir. Alors c'est un sunnah pour une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut être pratiqué clairement. Alors chers frères et chers sœurs, à nous faire vivre sa sunna là, à nous faire vivre sa sunna là, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 10 premiers jours, les 13 premiers jours du mois de Dhul-Hijja, mais qui nous fait takbir, même ban madame dans la case, même ban madame dans la case, sa sunna là n'est pas juste pour ban zom, sa sunna là n'est même pour ban madame dans la case, simplement, si elle madame les connaît, alentour de lui, il y a ban zom étranger, alors il baisse sur la voie. Il y a doucement, mais s'il connaît lui tout seul dans son lacage, ou bien il n'assiste pas le mahram, alors il fait un takbir à haute voix. Il fait un takbir à haute voix. Il fait les sunnah qui nous vivent, ça va nous là, dans le takbir, dans la pensée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, chers frères et chers sœurs. Comme ça même, takbir, dans sa manjou là, nous avons un takbir après le salat. Et il commence, yawmu arafa, la veille du jour de Eid. À partir de la Salat Fajr, jusqu'à, et durer jusqu'à 13e de l'Hijja, la Salat al-Asr. Mais cette takbir-là appelle ça takbir muqayyad, les différents de ça. Le takbir qui nous fait tendre, qui appelle le takbir al-mutlaq. Takbir mutlaq veut dire ça, il n'est pas relié avec aucune circonstance. Ou qu'à pas faire quantité ou envie, ou qu'à pas faire l'air qui ou envie, excepté dans ma place qui paraît pas faire dhikrullah. Mais quand tu as takbir muqayyad après Salat, ça arrive 9e de l'Hijja. La veille jour de Eid jusqu'à 13e de l'Hijja namaz Asar veut dire nous faire takbir après le salat. Mais ce takbir là, veut dire ce takbir là, les sunnah, les sunnah parmi les sunnah, veut dire, et ce takbir là normalement, les individuels, les pas chorus, les pas en congrégation, et ce takbir là, les sunnah, si un dimoun le fin fait ali, veut dire alhamdulillah, le fin mettre un sunnah en pratique, mais si un dimoun fin oublié ali, ou bien pas fin fait ali, mais il y a une peine à pécher là-dedans. Mais seulement, faire-le ensemble, à haute voix, dans un ton, veut dire, et en jama'a, sallam al-ulama dire, les un parmi les innovations qui finit être introduites dans l'islam. Alors, après salat, mon frère, et il y a un lejout adhkar, et il y a Allahumma anta salam, ayatul kursi, tasbih. Et là, on couvre les autres adhkar. Alors, il ne faudrait pas nous négliger ça dans l'adhkar, qui n'a plus beaucoup l'emphase qu'il mettait là. Mais dire autre qui takbir dans sa manjoula. Comment nous dire, il y a une sunna parmi les sunnah. Nous mettons en pratique, mais seulement toujours nous mettons en pratique. Mais dire comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins enseignent.
Et chers frères et sœurs en islam, les 10 jours du mois de Dhul-Hijja, les 10 jours du mois de Dhul-Hijja, c'est un bon jour qui aussi, parmi une grande action, une action de valeur, qui est là dans ce bon jour-là et dans ce mois-là, c'est le pilier incommun, les 5 piliers de l'islam, c'est Hajj. L'accomplissement du Hajj n'est pas le moment pour nous cause Hajj en détail, mais un rappel pour ceux qui veulent faire Hajj et pour ceux qui ont l'intention de faire Hajj. Premièrement, celui qui veut faire Hajj, mais un plus grand conseil qui est capable de lui, qui rassure, qui vous fait préparer intellectuellement pour faire Hajj, pas juste physiquement. Aujourd'hui, plus grand préparation Hajj, c'est une préparation physique et matérielle. Plus grand souci de votre Hajj, qui qualité le tel vous donnez pour rester, qui quantité pour faire les payer. Ça, c'est une préparation physique, mais n'a aucun doute, vous avez un droit et un souci pour ça. Vous avez un droit et un souci. Mais il n'a pas pour juste, si on a tous un souci, la conscience, comme pour mettre pour rester, combien de faire vous payer? Quel traitement pour de l'eau? Quand en vérité, ce qui on a pas le faire en haut avec Allah, ça n'a pas fait prépa du tout. On n'a pas fait prépa ou l'équipe pour Hajj, la sincérité de Hajj. On n'a pas fait prépa ou comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait Hajj, comment le financer fait Hajj. Et si on finit prendre les rites du Hajj selon les principes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on satisfait ou get sabari, ou bien faire Hajj avec ou mon kit tout dans ou la main, assez ou qui vous fait tout pour moi. C'est pas un imam qui fait salat pour vous. Oui, ou du monde y aller. Mais il reste qui ou vous avez lire, ou vous avez fait respirer. Ce qui est là pour lire comme vos responsabilités. Quand on dit on fait cela de l'imam, quand l'imam fait faire recours, on va rester votre ou. Quand l'imam il a dans ce sujet-là, on va rester votre ou. Ou bien on va assister ou. Je dis, même qui vous fait une place ça, il va être là, sur responsabilité de l'imam. Mais il reste qui est là quelque chose qui vous avez fait ou. Comme ça même Hajj, mon frère et ma soeur. Si vous pouvez faire Hajj, oui, vous faites confier aux responsabilités à un organisateur, mais ben, le rite dans Hajj n'a pas dit ni pour faire pour vous, n'a pas dit à mon guide dans tout l'année, ça c'est aux responsabilités. Prépare-vous pour accomplir les rites de Hajj, ça même quelqu'un qui c'est pour ça même que vous faites payer un gros argent. C'est pour ça même que vous faites payer un gros argent pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. لبيك اللهم لبيك وبن دير لبيك وبن برونو اورغانيزاتيرو وبن برونو او بيو وبن برونو او لورغانيزاسيون او في دير لبيك اللهم لبيك وفي الغيبون لابيل دالله او بريزون او الله او الله او بريزون من غيبون تو لابيل Donc, rassurez-vous qu'ils vont faire une bonne préparation intellectuelle ou préparez-vous à apprendre comment faire Hajj, apprendre les principes du Hajj, apprendre le sunnah dans le Hajj, apprendre les erreurs qui vous invitent dans le Hajj. Et surtout, mon frère et ma soeur, surtout, nous dirons, un de vos plus grandes choses, ou bien accomplir un pilier parmi vos piliers. Surtout, alors on n'a pas oublié, la réalisation du tawhid dans le Hajj. La réalisation du tawhid, Hajj, sincèrement pour le plaisir d'Allah et dans vos bonnes actions. Réalise tawhid Allah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il qui fait n'importe qui action, qui est privé de sa compte, de sa petite chose-là, qui appelle l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il t'aime Allah subhanahu wa ta'ala, quand on peut donner l'autre pour accomplir Hajj. الله سبحانه وتعالى تبديع وأتم الحج والعمرة لله أكمل حج وعمرة بو الله بنيك ما بو الله فذلك دولك يا كوفي في حج دو ساك موما دو حج وبتروف كي وانجم وانسكلاب زيس بو الله وفين كيك ولكاز وفامي وفين دفنس تو ساكاس لا ونقالي نوني دي حج On n'a pas fait fatigue pour personne autre que pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un hajj victorieux. Ça, c'est un bon hajj. Ça, c'est un hajj profitable. Et surtout, un autre conseil qui nous donne nos bons frères et nos bonnes sœurs qui peuvent faire hajj
Donc ça m'en joue là, qui peut faire Hajj, sûr, toucher frère et chers sœurs. Alors, Allah peut dire dans le Coran, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةِ Celui qui hajj fait une phrase dans lui, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Trois petites choses qu'Allah n'empêche pas le hajj, qui malheureusement, à cause ça même, on trouve aujourd'hui hajj sur valise, les remplis avec ce manche et bois, les remplis avec ce laisse, les remplis avec le matériel, mais conditions qu'Allah fait mettre. Instruction qu'Allah fait me donner, les fait une petite limorice. Les fait une petite limorice. Alors Allah peut dire, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ Faudrait pas une acte d'obscénité. Faudrait pas une discussion inutile. Faudrait pas une acte فُسُوقَ veut dire un péché. Alors un hadji, les bizarres conscients, l'eau qui l'a tiré, il peut le pôle sur les pieds. Oh, toi fumer, quitte ton cigarette dans Maurice. C'est pas une place pour le fumer. Oh, toi, madame, quitte ton lait d'essence dans l'île Maurice, c'est pas une place pour le découvrir de l'écho. L'eau, la terre sainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah fait de toi l'occasion pour poser ton lit, l'eau, la terre, mubarak, la terre qui va dans bien, et pour salat wa salam, il pose ton pied. Masjid Ibrahim alayhi salam, Masjid Ibrahim alayhi salam, Masjid Ismail alayhi salam, Masjid Muhammadur Rasulullah, Afdalul Bashar. Ça, c'est l'écho Moubarak qui s'en a fait la fin connaît. Comment est-ce qu'un djimoun capable d'avoir courage à le commettre péché dans la terre pareille? Comment est-ce qu'un djimoun capable d'avoir courage à le jouer dans la terre pareille? La cause n'est pas une satisfaction dans manger boire, dans logement ou bien dans n'importe quelle chose. Prends patience, chers frères et chers sœurs. Prends patience à cause de sa place que tu étais là, à cause de sa ibadat dans laquelle tu étais là. Et Allah, qui n'empêche nous pendant Hajj, qui nous fait cette action-là, chers frères, chers sœurs, qui s'accadit les mains signées, qui lit la terre sainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lit devant la case d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Baytullah, Al-Ka'ba, la case d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il y donne ce sang-froid, qu'il y prend patience, qu'il y fait ce ibadat comme un bizin, et il y prend patience afin qu'il y saute victorieux dans le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فرسول الإسلام parmi ban acte, parmi ban grand action de grande valeur qu'un musulman a pratiqué dans sa 10 premiers jours-là, et là, ce qu'il appelle le Qurbani. Le Qurbani, c'est un sacrifice que le musulman vient accomplir comme un rite spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le recommander et spécifiquement ce jour-là, le jour de Eid al-Adha. Les bons qui nous connaissent, ma frère et ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith dans Sahih Muslim, « Ida dakhalatil ashr, wa arada ahadukum an yudahhi, fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a. » Celui qui fait faire l'intention qurbani, celui qui fait faire l'intention qurbani, quand les 10 jours de Dhul-Hijjah vont entrer, comment la ligne Dhul-Hijjah fait une visite? Alors, qui les n'a pas tous noyés de ce cheveux et sur la peau? Mais il y a un djimoun qui fait niyat qurbani, les bizins veillent la ligne de l'Hijjah. Les bizins prennent précaution, connaissent quand la ligne de l'Hijjah fait paraît, parce que s'il fait une niyat qurbani, les nebli gagnent à taïsévé, les nebli gagnent à koubzon, les nebli gagnent à koubmoustache, les nebli gagnent à rase aucune partie de son écho. Mais dire, ça c'est un parmi ban qui se ban règlement qui applique le celui qui fait faire l'intention qurbani et non plus ban membre de sa famille. Si moi le chef de famille et d'ailleurs le qurbani, les bons nous connaissent,
كي لقرب عني لين سنة مؤكدة لين سنة مؤكدة bien sûr il y a une divergence selon par l'école de pensée imam Ahmad imam Shafi'i et imam Malik rahimahumullah je donne l'opinion qui qurbani n'est pas wajib lien sunna muakkada et imam Abu Hanifa rahimahullah lit dans ce madhhab dans son école de pensée alors lit l'opinion qui qurbani n'est pas wajib mais quand vous devriez faire à la lumière du sunna et la hadith clair comme le sahabi Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu deux grands sahabi et les deux premiers califes de l'islam je fais une petite qurbani je ne vais pas me faire qurbani bien que je tienne à moyen je ne vais pas me faire qurbani et qui je dis fort exprès attention petit djimon suive-nous et croire qu'il est obligatoire aux autres mais je fais une délaisse qurbani bien que je tienne à moyen juste pour montrer à djimon qu'il n'est pas farasse qu'il n'est pas obligatoire. Si un djimon est un moyen, c'est une bonne action, une meilleure affaire. C'est une sunna mu'abkada, une sunna fortement recommandée. Et non, le chef de la famille. Là, ce qui est important de comprendre, un rien que beaucoup de monde fait, les faire pour bani, les prend pas, veut dire normalement, nous comprenons, et un djimon les comprend comme ça, qui, s'il y en a quatre membres de la famille, alors ça, l'année là, il prend pour lui, le chef de la famille. L'année prochaine, il prend pour son madame. Sans qu'il y prend pour lui. L'année ensuite, il vous prend pour soi-même les enfants. L'année ensuite, il vous prend pour leurs enfants. Normalement, ma frère, c'est un erreur. Qui fait? Parce que le Qurbani, il est le chef de la famille. C'est le chef de la famille qui a la responsabilité pour prendre Qurbani, pour prendre pas Qurbani ou bien pour faire Qurbani. Quand le chef de la famille fait Qurbani, ce madame se Qurbani la donne. Ses enfants se Qurbani la donne. Mais quand on ne prend pas Qurbani pour vous, madame, ou pas prendre pour vous, ou pas gagner de pas Qurbani ou madame. Mais quand on prend ou on ne prend pas Qurbani, ou madame se Qurbani là-dedans. Ou les enfants se Qurbani là-dedans. Donc ça veut dire le Qurbani, non, le chef de la famille. C'est le chef de la famille. Même il peut couper un animal que tu sais, même il peut prendre un porc dans un bœuf, même il peut couper un cabri ou un mouton, c'est le chef de la famille qui ne prend pas Qurbani. Qurbani, non, le chef de la famille, et ensemble avec le chef de la famille, comme on crée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit gauche un cabri, il finit gauche un cabri pour lui et pour tout ce mal malade, pour tout ce, toute ce la famille. Alors donc, normalement, le Qurbani, il est le chef de la famille, c'est le chef de la famille qui accomplit le Qurbani, et le Qurbani, chers frères et chers sœurs, le Qurbani, c'est qui plie important, encore une fois, nous dire ce qu'il nous fait, nous dire concernant. Concernant Ban Haji, un conseil qui nous donne nos frères et nos sœurs, qui peut faire l'intention pour faire Qurbani, connaît qui Qurbani, c'est un ibadat parmi Ban Ibadat. Qurbani, il chagrine aujourd'hui qui nous trouve, qui le Qurbani peut paraître, comment dire, une fête. Le jour, il y a un jour de fête. Fait différence entre le jour de Eid et l'action du Qurbani. Le Qurbani, ça veut dire une fête. Le jour de Eid est un jour de fête. Qurbani, c'est un ibadat. Pareil comme le jour de Eid, nous accomplissons Salat Eid. Salat Eid, il reste qui Salat Eid, mais il y a un oiseau pour faire Salat. Est-ce qu'il vous dit non, mais aujourd'hui, jour Eid, qu'il n'y a pas d'amas en oiseau. Est-ce qu'il vous dit aujourd'hui, jour Eid, qu'il n'y a pas fait d'amas en musique. Non, le jour de Eid est un jour de fête, mais ibadat, Allah va une fête. Qurbani, aujourd'hui, il peut paraître, comment dire, c'est un sport. Moussalman peut faire croire que, comment dire, Qurbani, c'est une occasion pour montrer son courage, pour montrer qu'il y contient un niveau de fatigue. Jusqu'à même, dites-nous, madame musulmane, dites-je un petit coup d'enfant, avec je te saute, avec je te sens pour la faille, côté n'a ibadat là-dedans, chers frères et chers sœurs, et comme Allah qui peut dire, لَيَنَا لَاللَّهُ لُحَوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. Ni ces animaux-là, ni cet argent-là, ni sur la chair, ni sur le sang, c'est pas ça qui monte vers Allah. Taqwa, la prière d'Allah, ça qui peut monter vers Allah, subhanahu wa ta'ala. N'a pas fait ibadat Allah, n'a pas détourné ibadat Allah en distraction. N'a pas détourné ibadat Allah en distraction. N'a pas fait ibadat Allah, vive plaisir. Chers frères et chers sœurs, Qurbani, c'est un ibadat. Allah, subhanahu wa ta'ala, peut dire, fa salli li rabbika wanhar.
Le prophète d'Allah fait gagner l'autre pour égaux jeunes animaux. L'autre que prie Allah, c'est un ibadat. فصلي في صلاة لربك بترب وانحر égorge tes animaux. Qui fait une série وانحر ici? Parce que l'égorgement d'un chameau avec l'égorgement de barres les œufs de bétail, c'est deux mots différents qui servent dans la langue arabe. ذبح nous servit pour l'égorgement de barres de bétail. L'égorgement veut dire un poule ou bien capri bouton nous servit ذبح fait ذبح. Mais pour chameau, servit نحر. Nous fait un à cause ça qu'Allah fait dire dans sa sourate là. فصلي لربك وانحر. Et tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit encore une fois dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon salat, mon sacrifice, nusuk veut dire sacrifice, veut dire ce qui ont sacrifié le nom Allah subhanahu wa ta'ala. وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ مُلَابِي وَمَمَاتِي مُلَامُو. Tout cela appartient à Allah. Tout action qui vous fait pour Allah, c'est ibadah. Et nous vous rappelons, nouvelles frères et nouvelles sœurs, nous vous rappelons, nouvelles frères et nouvelles sœurs, que chaque ibadah, les nouvelles conditions qu'Allah fait mettre pour qu'il accepte les de nous. Allah pas pour guetter combien casse le payer. Oui, aujourd'hui, il y a une polémique. Qui, combien que vous payez? 139 roupies la livre ou bien 165 roupies la livre? Ça, c'est ma noisette, mais c'est pas. J'ai dit 5 minutes de prière ou de la Corbani. Mais seulement combien de monde peut prendre compte qui vise à faire Corbani avec éclat, avec sincérité? La sincérité dans les guerres, quand tu fais Corbani, n'a pas fait Corbani à cause de tes visas à bien pour faire voyage, n'a pas fait Corbani à cause de mon capable pendant un mois, mon économiste, n'a pas ce qu'il ne pas pour viser le pays, la bien pour pousser cher. Ou l'intention, c'est Corbani pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une offrande au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'appelle Tawhid dans Corbani, chers frères et chers sœurs. Et gros animaux, le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Semaine prochaine, je vous mettre plus la phase, hein, je fais l'autre question là. Tawhid dans ce qu'appelle Al-Dabh. Et surtout, deuxième condition, ma frère, après sincérité, c'est les bisins en accordance avec Sunnah. Les bisins en accordance avec Sunnah. Permettez-moi pour dire où il y a ce là. Parce qu'avant qu'il y ait trop tard, ou déjà peut-être, déjà capable, peut-être il n'a plus jamais fait trop tard, mais seulement les bons nous conscientisent, ou être parmi les bonnes conditions, ça va les animaux qui ont coupé pour Corbani là, et n'a pas de conditions là-dedans, pareil pour ma soirée, et n'a condition, ou bizarre n'a oiseau, ou bizarre n'a roussal, ou bizarre faire soirée dans direction Qibla, ou bizarre couper ou les cours convenablement, ou bizarre faire aller dans l'air, comme ça même Corbani, et n'a pas de conditions, et n'a 9 à 10 conditions, parmi les bonnes conditions, et n'a là, les animaux, chers frères et chers sœurs. Les animaux. Beaucoup du monde n'a pas pu prendre compte les animaux. Je t'appelle 10 poids animaux. Je t'appelle 10 grossiers animaux. Je t'appelle 10 qui payent les sorties. Je t'appelle 10 élevés qui finissent le pays. Si pas les professionnels ou bien non. Chers frères et chers sœurs, si vous animaux n'ont pas payé 10 ans, Corbani n'a pas compté. Corbani n'a pas compté si vous animaux n'ont pas payé 10 ans. C'est seulement pour un cabri ou bien un mouton. Ça aussi, si il y a une pénurie, il y a une difficulté pour gagner un qui paye un an. Mais là, le prophète, il paye même pour égorger un en bas un an. Mais quand tu as bœuf avec chameau, lui oblige les chameaux, lui oblige il y a 5 ans. Bœuf oblige il y a 10 ans. Si vous égorgez un corbani, un animal en bas 10 ans. Et sans qu'il vous fasse attention à sa condition-là, au corbani invalide, chers frères et chers sœurs. Donc, prends précaution et il y a une condition d'après Sunna qui nous vise à prendre en considération. Prends sa bonne précaution-là. Ben, les animaux qui paguent pour faire corbani et il y a un défaut dans les animaux. Alors, retourne vers la connaissance, retourne vers la littérature, retourne vers le livre avant qu'il entre et prend sa ibadat qui appelle corbani-là pour vous rassurer ou qui vous fait faire corbani d'après Sunna. Mais je m'en donne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous une vraie compréhension de l'islam, qu'Allah protège nous contre Shaitan, qu'Allah guide nous dans nos bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous tirer ferme dans le sunnah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nos bonnes erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y pardonne nous pour nos bonnes négligences, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y réserve le meilleur pour nous dans le dunya et dans l'akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.